Amérique, jeune du duo Les Gamals de danse, 29 ans, guadeloupéen, et vit actuellement en France, à Lyon, mais voilà, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, quoi. Tu veux commencer? Je commence. On a commencé à l'âge de 15 ans en 2010. On est parti en France en 2013 pour conquérir le monde. On a fait plusieurs concours chorégraphiques qu'on a remporté. Troisième place mondiale du Roll of Dance. Le parcours est plutôt intéressant, on en est fiers. Et c'est vrai qu'on réalise notre rêve parce qu'aussi on a un spectacle qui s'appelle Flux Sanguin, le pouvoir de la fraternité, avec lequel on tourne un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on est connu et reconnu comme étant des danseurs internationalement présents, quoi. On est des jumeaux, mais on est très différents dans le côté artistique. C'est-à-dire que moi, je vais, par exemple, aimer quelque chose de beaucoup plus léger et subtil. Et lui va aimer quelque chose de beaucoup plus impactant et démonstratif, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a totalement deux visions des choses différentes. Par exemple, un mouvement qui est comme ça. Moi, je vais vouloir le faire comme ça, doucement. Et lui va me dire, mais non, on le fait comme ça. Tu vois, et c'est très différent. Et c'est vrai qu'on a deux subtilités. Alors que c'est le même mouvement au final. Pas la même énergie, pas la même intention. Il y a beaucoup d'intentions, on n'a pas les mêmes intentions. Et ça se voit aussi qu'on parle et notre manière d'être. Et on était avec Tony Mascotte, représente au Tonton. C'est un ancien, donc il a apporté beaucoup dans le hip-hop en France. Il fait partie de la première génération en France qui a fait grandir cette culture, donc un grand, grand big up pour lui. Et passer d'école, en fait, c'était nécessaire, ça fait du bien. En fait, t'es dans l'apprentissage, tout simplement. T'es dans l'apprentissage et eux, en fait, ils ont ouvert des portes. Et l'école, c'est juste une manière pour dire aux plus jeunes, écoutez les gens, on a fait le plus dur. Vous pouvez venir et nous on vous transmet. Donc ils étaient beaucoup dans la transmission avec nous et nous on a reçu. Et c'est vrai que quand t'es jeune, t'as un peu de prétention en disant non, je vais apprendre dans la rue. C'est comme ça que le hip-hop a créé. Mais je pense qu'une formation de danse, c'est super important pour que les fondations, comme il a dit, que les anciens ils ont fait le taf, ben justement qu'ils nous solidifient les fondations pour pouvoir créer. Tu peux pas créer sans outils. Et les fondations sont là pour créer.